trouvé un moyen de sortir de l'arène, et il faut que je retourne voir Brecken à présent. Zeré, il est mort. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il m'a dit qu'il avait réussi à donner ses notes à Jade avant que Raïs le kidnappe. Il reste peut-être un espoir. Eh bien salut à tous, salut YouTube, c'est Johnny et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de Daylight. Le 13e, alors je sais pas si ça va me porter la poisse ou si ça a plutôt bien fonctionné. J'espère en tout cas que ça va bien se passer parce que dans l'épisode d'avant j'ai eu un peu de mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de me remettre les commandes dans la tête in-game parce que du coup je fais tellement de jeux en même temps que j'arrive à me mélanger les pinceaux. Bon, ça c'est fait. C'est vrai que je m'étais arrêté sur... l'infection. Alors, je suis infecté, comme vous avez pu le voir. Je me déplace très lentement, j'ai plus de... Allez, cours! C'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas courir. Attendez, il y a un truc qui me chagrine dans les commandes. Comment on fait pour courir? Non. Vue manette. Sprinter L3, d'accord. Donc je ne peux pas courir, c'est bien ce que je disais. J'ai beau cliquer. Oh putain, d'accord. Je vais mourir. Oh la vache. Bon, alors, note pour plus tard. Surtout, éviter, éviter les zones de zombies quand on peut pas courir. Oh là là. Putain, ça commence à devenir tendu. Faut que je reste sur les toits. Oh la vache. Attends, je vais baisser un peu le son. Parce que je m'entends plus parler. D'accord, donc là je suis littéralement dans la merde. Zeré. Putain. Il est mort. En fait c'était une scène contexte, d'accord. Donc je suis mort strictement pour rien. Où je suis? J'ai dû te cacher sur le quai. La moitié des gars de Rice te cherchaient. Je sais pas ce que t'as fait, mais ils sont énervés. Je dois voir Jade. Zeré lui a donné toutes ses notes. Et elle a voulu tout apporter à Camden. En tout cas, elle a essayé. Il a appelé pour dire que les gars de Rice avaient trouvé son labo. Il a laissé les zombies entrer et s'est barricadé. Maintenant, il est pris au piège. Ensuite, la liaison a été coupée. On n'a pas réussi à le recontacter. Je vais la chercher. Comment elle compte entrer? Ce quartier est bouclé. Il y a un groupe, appelé les Sauveurs, qui fait passer les gens. Ils ont leur repère au bar de Nico, dans le chaudron près de l'autoroute. Le contact s'appelle Senk. On a assez de gars pour couvrir les livraisons? Les largages ont cessé il y a 36 heures. Il n'y en aura plus. Faut faire vite, Crane. Merde. D'accord. Bon. Je sais pas si j'y arriverai, mais tu peux me croire, je vais essayer. À ta place, la plupart des types y restent planqués sans rien dire. Respect, mon gars, et bonne chance. Ok. Bon, ça c'est fait. Karim, voilà ton équipement. Karim te passe le bonjour. Tu le remercieras pour moi. Y'a mon matos. Dis-moi que j'ai tout. Oh putain, oui, j'ai tout. Alors, dans mon inventaire, donc, démanteler, je voudrais les démanteler, hop, démonter,
Démonter, démonter. Les tuyaux, je m'en branle. Cigarette, clope, donc ça, je m'en fous. Alors, moi, je veux ça, ça. C'est tous les mêmes, donc ça. Et ça. Remarque, je vais poser la hachette. Ajouter au stock, je vais prendre l'épée. Voilà, je vais prendre les couteaux de jet, je les veux tous. Voilà, je veux un grappin sur moi. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai de l'alcool. Un kit de soins. Un kit de soins, je vais en prendre une trentaine. Des crochets. Excusez-moi les amis, je refais mon stuff, mais du coup vu que j'ai été dépouillé, j'ai plus rien et j'essaie de récupérer un peu tout ce qu'il me faut. Voilà, et puis le reste j'irai chercher sur le terrain. Alors, vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Ah bon, non, c'est pas celui-là. Plan. Alors c'est quoi que j'ai de nouveau? Poison d'esquiveur. Vous avez attrapé un esquiveur, bien joué, vous pouvez maintenant créer le poison le plus toxique de toute l'histoire d'Aran. Merveilleux. Arme de combat rapprochée, plantes, algues sous-marines. D'accord, donc il me faut des plantes, il faudra que j'aille les chercher, mais plus tard. Ok. Hop là, on va commencer par ça. Hop. Donc ça j'ai. Ça j'ai. Wow, wow. Vous savez que j'ai même pas fait gaffe que c'était un... Hop là, tranchée. Ça c'est fait. Coucou. J'avais même pas fait gaffe que c'était des zombies. Café, ça c'est bon, ça se vend, j'ai de l'alcool. Hop, ça fouiller c'est bon. Lui fouiller, ouh des sous. Coucher. Voilà, ça c'est fait. Alors. Putain la sensibilité. Là y'a rien à récupérer. De pêcheur. Des points de compétences non utilisés. Je me suis littéralement raté. Et en plus j'ai encaissé un coup. Bon, eh ben écoutez hein, les gars, on va faire avec hein, parce que visiblement j'ai un petit peu de mal. On va prendre la machette. On trouve du soin. Non. Oui. Enfermé dedans, je vais aller le chercher. Merde. Alors, par où je rentre là-dedans? Par en bas, ok. Sûrement plein de trucs à récupérer. Ça, je prends. Excusez-moi les amis, je fais un petit déstock massif. Hop là, j'avais oublié ça. Allez. Oui, j'arrive. Ouh, l'abruti. Hop là, couché.
Voilà, des clopes. N'approchez pas! Merde! Désolé, mon gars. J'ai cru que cette chose avait compris comment utiliser une poignée. Et de la thune, ça c'est bon. Ah putain. Merci, l'ami. Je suis obligé de refaire tout le tour. Vous voulez éviter les mangeurs de chair. Hop, allez. On se barre de là. Et on continue la quête principale. Désolé pour le grappin, mais ça va plus vite. Kyle, une dernière chose. Tu te souviens de cette fille dans le secteur 0, Troy? Ouais. On a discuté quand j'ai rétabli les communications radio. Quel con. Tu devrais la contacter en arrivant là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Brecken. A plus. Hop là. Ça va plus vite. Sous la route, ouhou, épée médiévale toute neuve, ça c'est cool. Un peu de matériel, coup de bing, y a rien, ok. Donc, par où je passe? Donc pas par là visiblement. Alors, le plan, s'il vous plaît. Enfin, la carte, du moins. Donc moi, je suis là. Donc il faut que j'aille à gauche, que je refasse le tour. Il y a un foyer infectieux ici, tiens. Zone de nourrissage des esquiveurs. Bleh. Je t'ai pas raté. Hop là. Allez, on continue. Forcément un moment où je pourrais traverser de toute façon. Par là. T'es obligé de faire un peu de défouraillage. Ah comment c'est bon. Hop là, je récupère, On va essayer de passer un peu inaperçu, histoire d'aller plus vite. C'est bon. J'adore quand ça se passe comme ça. Ah. Tout ça pour du plastique en plus. Non. Produit d'entretien, des steaks. Ça, ça je prends. Alors. Pas une bonne idée, mais bon. En fait, si, c'était une excellente idée. Youhou, une canne. Deux cannes. Ah, ça fait du bien. L'épisode numéro 13 sera sous le signe du sang. Du sang et de la sueur. Hop.
Ouais, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la roulade d'avant elle est vraiment super archi méga pratique. Ça vous permet quand même, comme vous avez pu le distinguer à l'instant, de vraiment sauter partout et n'importe où sans vous faire mal quoi. C'est moi j'en use et j'en abuse énormément parce que c'est tellement pratique en fait. C'est tellement pratique, c'est comme le grappin, c'est des aptitudes qui sont tellement pratiques à utiliser que... que j'en use et j'en abuse énormément, ouais. Olé. Oh, comment il a pas aimé. Bon, par où on rentre dans ce truc de merde? Environ une heure, je trouve pas comment faire. Oh, si, d'accord, j'ai trouvé. Non, c'était à l'étage au-dessus. Bon. Je vais me laisser tranquille, oui. Là, au revoir. Bon, ça commence sérieusement à me gonfler de tourner en rond. Je ne sais pas par où il passe. Je ne sais pas par où il faut que je passe. Faut que je rentre là-dedans. Remarque, moi comme un con j'ai été tout droit, mais si ça se trouve il suffit de passer par une porte. Par exemple. Comme ça si je suis suivi je le serai pas pour longtemps. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Là, c'est tout fermé, là ça passe pas. À cet étage, y a rien. Par en dessus, je sais pas. Bon, et ben... J'en sais rien. Ça, je prends. De la gaz, ça, c'est bon, ça. Ça s'appelle tourner en rond comme un con pour rien. Tu veux quoi ? Je cherche les sauveurs. Excusez-moi les copains. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brecken qui m'envoie, de la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée ? Jade ? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux ? C'est toi qui as coupé la main de Rice ? Ouais. Et là je dois passer dans le secteur zéro. Tu t'appelles comment ? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur zéro te permettra d'échapper à Rice. Bon, attends. Ok.
Je veux bien attendre, par contre... Oh, mais ça va, je suis dans une zone safe. Il y a des UV un peu de partout. J'ai un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Raid. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? Ouais, ok. Entendu. Viens là. C'est bon, on va te faire passer. Quand? Maintenant. Et c'est combien? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu, merci. Non, merci à toi. Ok. Bon. Donc ça c'est parfait, pas de soucis. Par contre j'aurais bien aimé... passer la nuit. Sans me faire étriper de préférence. Alors, comment je fais maintenant? Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah ouais, au moins tout ça. Faut que je traverse toute la carte, quoi. Ok, bon, il y a une zone safe pas loin, où je peux passer la nuit. Histoire de pas me faire égorger tout de suite. Voilà. Allez, ça c'est fait. Le sac à dos, j'en ai pas besoin. Il est où mon vieux? Là, elles vont sortir. Ouais, les vautours sont dehors. Oh, je suis passé à côté de ça, moi. Ok. Bon, bah les amis, c'était un épisode très court, mais je vais m'arrêter ici. Hein. On verra la suite au prochain numéro. Le prochain, normalement, sera plus axé sur le solo. J'essaye de vous montrer au fur et à mesure, mais je peux pas m'empêcher de fouiller à droite à gauche. Au moins bah ça vous aura pu vous montrer ce que ça fait quand quand je suis infecté. Et maintenant on sait que je devrais pas tarder à changer de zone à mon avis. Allez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour la prochaine. Et vous inquiétez pas, la 14 sera mieux que la 13, je vous le garantis. Allez, à plus.